Alors, ben, déco, balandi, Congo, Uni, télévision, to outi, to sali, quand même, to sillonné, bah, centre, et bah, bureau de vote, qu'on a kota, la nengeni, ni ma ponami, zali, koleka, to outa, kin, école, Notre-Dame, mère de la Providence, ou, zali, nangalie, ma, to zali, na, kintambo, hein, ben, déco, bah, mon, en, okala, ah, zali, n'école Saint-Georges, n'école Saint-Georges, et ben, déco, bah, zali, bah, qui, déjà, tongo, qu'on a koyako, voter pour la royale pona ou azali mon condi na bango ya mboka pona ou azali ba député na bango ba député provincial pona pona pe bandeko ou azali na ba municipaux. Alors voilà, fidèles téléspectateurs, ou azali justement image ou binomo azali comment na bandeko azali wana c'est depuis ba msuba koma ki depuis 6 heures je vous dis ba lobby il faut ba ya kokopisa devoir wana devoir civique qui est celui de voter. De voter les candidats de leur choix. Et là, nous sommes là. Mais aussi, il ne faut pas oublier hein, le président Félix-Antoine Tshisekedi sera là, comme, en tout cas, nous sommes au courant. Mais les habitants de Kintambo ne sont pas encore au courant que le président Félix-Antoine Tshisekedi a causé la Yemoka en personne pour la peine à voter. Alors voilà, vous allez suivre les impressions, vous allez suivre les commentaires de la population qui habite cette commune de Kintambo. Alors, je vous laisse vivre cela. Voilà.
arrêté. Hans. Eh, bonne. Bonjour. Bonjour. Comment on vous appelle ? Je suis Guy Fondop, je suis journaliste et correspondant international de la chaîne Afrique Média TV, la chaîne panafricaine. Alors, on peut savoir pourquoi vous êtes ici ? On est là dans le cadre de la couverture du processus électoral, dans le cadre du scrutin de ce 20 décembre. Et donc, on est déployé en République démocratique du Congo depuis maintenant. L'État est plus mature démocratiquement, politiquement aussi. Et on voit par exemple que même quand il y a quelques difficultés liées aux machines, les Congolais... Vous pouvez deviner qu'il y aurait des problèmes logistiques. Et ces questions que vous me posez, j'y réponds en partie, parce que ce n'est pas nous qui sommes responsables, c'est la CENI, la Commission électorale nationale indépendante qui doit répondre à ces questions. Mais moi j'ai toujours dit, il faut faire confiance à la CENI. Ce sont des Congolais, eux aussi ont à cœur que les choses se passent bien pour la crédibilité. Alors peut-être ils ont quelqu'un comme M. Kadima, qui est mondialement connu comme étant un des experts des gestions des processus électoraux dans le monde. Et ce monsieur veut que ça se passe bien. Donc, donnez-leur un peu de temps. On ouvrira les bureaux de vote qui sont en retard. Et s'il faut, je pense qu'il pourrait prolonger les heures. Puisque c'était prévu de 6h du matin à 17h. Mais ce qui est bandit 15h, bah, il va qu'au prolonger. Peut-être même au-delà de minuit, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est que tous ceux qui veulent voter, qui viennent voter, et j'invite tout le monde à aller voter, puissent voter. N'oubliez pas ce qu'on a dit. Ata, carte d'électeur, Isabianté, on ne voit pas bien la photo, vous y allez. Ceux qui commandent un bah, registre électoraux, va couper sa carte Moussoussou, duplicata et au confronté. Il faut accomplir son devoir citoyen. Et j'insiste auprès des jeunes, parce que c'est pour vous l'avenir du pays, vous devez voter pour votre avenir, pour les emplois que vous promet et que va créer le candidat numéro 20 et pour Naba Maman aussi. Il faut que les mamans s'engagent dans la politique. C'est important, on a un président. Travail pour les mamans, pour la place des femmes dans la société. C'est pour ça qu'il faut voter pour le candidat numéro 1. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maman. Absolument. Non, c'est bien que tout le monde vote. Voilà. Absolument. C'est très bien. Je les félicite d'ailleurs d'avoir voté parce que ce sont les mêmes qui avaient dit non, il n'y aura pas d'élection. Oh non, processus, c'est comme ça la matinée. Les voilà qui aujourd'hui vont voter. Ah, à voter, c'est très bien. Et j'espère que justement, il a voté et qu'il va assurer aussi, reconnaître la crédibilité de ce processus. Ce processus, il est pour tous les Congolais. Il n'est pas simplement pour le candidat numéro 20, il est pour nous tous pour qu'on puisse être fiers
de nos représentants qu'on aura choisis chacun librement. Moi, vous savez pour qui je vais voter, hein. Bon, je vous demande de voter en âme et conscience. Merci beaucoup. Merci. A investi durant son premier mandat dans la défense pour renforcer les capacités de notre armée, que notre armée soit solide et qu'elle puisse défendre le pays. Qui a pointé du doigt nos ennemis, ceux qui nous agressent? Qui a eu le courage de le faire? C'est le candidat numéro 20, l'actuel président Félix-Antoine Tshisekedi. C'est lui qui a vraiment l'amour du Congo et l'amour des Congolais. Donc vous savez ce qu'il a fait pour vous durant 5 ans. Faites-lui confiance et il fera encore plus. Et on le fera tous pour que le Congo soit encore un grand pays et que nous tous Congolais nous retrouverons notre fierté d'être un grand pays au cœur de l'Afrique. Et s'il perdait les élections, que direz-vous? Pour nous, l'échec n'est pas une option. Parce que nous avons parlé à notre peuple. Nous savons comment le peuple a répondu à cet appel et on a vu l'enthousiasme, la dynamique qui s'est dégagée durant la campagne. On ne pense pas, c'est impossible pour nous. Mais j'ajoute aussi, nous sommes des démocrates. Ne craignez rien, nous respectons un président qui a mis les moyens, qui a donné les moyens à la CENI pour que les élections soient organisées dans les délais constitutionnels, c'est-à-dire après 5 ans. Balobaki va glissement, tout ça glissementé. Candidat numéro 20, président Félix Tshisekedi, à ça glissementé. On est le 20 décembre 2023, les élections ont lieu. Donc il n'y a pas de problème, c'est un démocrate, il respecte les règles du jeu, soyez-en sans rassurer. Merci beaucoup, monsieur Eric.
Thank you.
de Sili, moi j'ai Sili. Oui, Sili, le champion. Et Sili sur les loups. Elle est Sili. Elle est Sili, Babingo na kombo nini papa? Kombo na wa kaskason. Tala kamera ya objectif. Alors voilà, lelo zali le 20 décembre to tout mona président Félix Antoine Tshisekedi ayé pona ko voter surtout na kati ya na école Saint-Georges. Donc impression na yo sentiment na yo ezali. D'abord c'est une surprise. Une surprise parce que la population ne s'attendait pas à ça. OK. Hein, to ya ki depuis Tongo moi de Taïsami pour la bah, opération Banda. Et puis soudain on apprend que le chef arrive. Et c'est une grâce de voter dans le même centre que le chef de l'État. Et surtout la commune, l'ambiance, l'engouement, ça dit bien que la population n'a pas causé la même morale. Il y a des pères et des mères. Bah, voter pour tout le monde, on a parlé matin, mais on dirait que la population s'est appropriée de cette histoire. Le vote est fini. Deuxième mandat assuré. Alors, Mando de Zaga Moko, pour qu'on ne vienne pas nous raconter cette histoire de nomination, Toza Awati, depuis le résultat, et puis c'est fini. Comme ça, l'histoire de Makere était en contestation. Donc voilà pourquoi nous sommes là. C'est un sentiment de joie et de satisfaction. Alors, difficulté Nini, beaucoup de temps, on a centré la bine. Difficulté, à l'heure et à lancement de l'opération. Il semble que dans certains centres, ils ont commencé très tôt matin. Chez nous, si salut moi, Rita. Mais on comprend, il y a toujours des imperfections dans toute œuvre humaine. Donc voilà. D'accord, merci beaucoup. Merci. Moté Nawa, papa. Moté Nawa. Babengu na kombo yanani. Papa Clément Ngoudi. Alors, papa Comment? Clément, ouais. Sentiment na yo, impression na yo, surtout par rapport à jour allélo le 20 décembre. Sentiment de joie, depuis que je suis né, c'est la première fois que je vote dans cette ambiance que vous venez de vivre ici présent à Kitambo, précisément à l'école Saint-Georges. Nous avons voté ensemble avec le président de la République en exercice, autrement dit Fatih Béton. Il est venu et il y a eu de l'ambiance. Et bien, c'est un missile qui a eu des difficultés, il y a eu l'élection et banni dans l'État. La minute, l'élection Sili. Élection Sili, Fatih Béton, président de la République. Mais non, ma parce que je mette l'élection Sili. Maman, oh, tu vis vraiment. C'est quoi? Fatih, à Béton. Ah, qui c'est? Alors, à la gloire. Des acclaves à Fatih dans la gloire. À la gloire, match est Sili. Moi, je suis en Boca. On ne peut que voter, moi, je suis Alors, difficulté, ni eux, beaucoup de temps, on a centré la mise. Je venais de dire ça tout à l'heure, la difficulté. Surtout, moi, je suis arrivé ici depuis 6h du matin. Je tenais aux élections parce que je devais sanctionner les mauvais, les étrangers. Et alors, je suis arrivé à 6h du matin. Et voilà que j'ai voté presque à 13h, 14h. Quelque chose comme ça. Donc, c'est ça la difficulté. Mais la présence du président nous a fait oublier tout ça. Donc, ton compagnon déjà m'a voté. Mais ton compagnon est bien. Allez, alors, on va le battre. Moi, tu vas bien. D'accord, merci. Viens de voter ici, donc, dans le bureau du collège Saint-Georges à Kitambo. Il a voté exactement à 15h45, ce 20 décembre 2023. Il a accompli son devoir citoyen. Et il se sentait dans un sentiment de joie, de plaisir et aussi de responsabilité. Parce que c'est-à-dire qu'il a tenu son engagement. Son engagement, c'était que les élections se tiennent dans le délai constitutionnel tous les 5 ans. Et effectivement, il a réussi son pari, qui consistait à donner les moyens à la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, pour qu'elle accomplisse de manière organisée ces élections. Donc c'est une bonne chose, c'est une victoire pour la démocratie congolaise. Une jeune démocratie, c'est quelque chose de très bien. Alors après, on demande à tous les Congolais et toutes les Congolaises d'aller précisément d'aller voter. Allez-y tous voter, il reste encore du temps. N'écoutez pas tous les ragots qui courent sur les réseaux sociaux qui racontent qu'on va fermer les bureaux de vote ou qu'on va ouvrir les bureaux de vote demain, c'est faux. Allez voter aujourd'hui, le 20 décembre 2023, et les bureaux de vote vont ouvrir plus tard. Ceux qui ont commencé en retard, les heures perdues, c'est-à-dire de 6h à l'heure à laquelle ça a commencé, seront compensés au-delà de 17h. Donc allez voter,
N'ayez pas peur, tout va bien se passer. Faites-le dans le calme, dans la paix, parce que nous sommes tous congolais et ce pays nous appartient, nous ne voulons pas le détruire. Allez voter, faites le bon choix, le choix pour vous, pour vos enfants et pour vos petits-enfants. Les candidats, Félix Tshisekedi dit, et le candidat qui a déjà fait 5 ans de pouvoir. C'est-à-dire qu'il a un bilan positif. Un bilan qui, où il a fait des grandes avancées, notamment dans le domaine du social. La preuve, c'est la gratuité de l'enseignement primaire. 5 millions d'enfants ont pu aussi aller à l'école. La CSU, la couverture santé universelle. La gratuité des soins pour les mamans, pour les nouveau-nés et pour les accouchements. Il a aussi lancé le grand programme de développement de la base des 145 territoires. Il a construit 7000 écoles durant les 3 dernières années. 5000 centres de santé à l'intérieur du pays. Il a construit plus de 3000 bâtiments administratifs à l'intérieur du pays. Donc, si les Congolais lui font confiance, on va non seulement consolider tous ses acquis, mais en plus de ça, on va aller plus loin. On va passer, par exemple, à l'enseignement à la gratuité du primaire, mais aussi la gratuité du secondaire. Pour la gratuité des soins, on va passer des accouchements à la gratuité, par exemple, d'autres soins pour les adolescents ou d'autres choses. Il a renforcé aussi les capacités de notre armée. Notre armée qui est aujourd'hui bien équipée, bien formée et qui est prête à défendre le pays contre ceux qui nous agressent. Voilà ce que le président Tshisekedi, le candidat numéro 20, a fait durant les 5 premières années, donc lors de son premier mandat. Et si vous lui faites confiance, il va continuer pour progresser. C'est le seul candidat qui a un bilan positif. Il sait ce qu'il a fait. Il a l'expérience du pouvoir, l'expérience de l'exercice et de la gestion de l'État. Donc faites-lui confiance et on pourra aller plus loin. Mais allez voter, je répète bien, allez voter. C'est vous qui avez la décision entre vos mains et c'est vous qui allez décider de qui va gérer notre pays. La particularité, c'est d'abord que c'est à Kinshasa, c'est la capitale. Et vous avez vu qu'il a fait le tour de toutes les 26 provinces durant la campagne électorale pour terminer à Kinshasa. Donc il a terminé en triomphe à Kinshasa, au terrain Sainte-Thérèse à Tchangou, c'était lundi. Et aujourd'hui, donc, il est venu voter à Kinshasa, à Kintambo, parce que c'est tout près, justement, de sa résidence. Et c'est un quartier populaire, c'est un quartier qui vit, où les gens sont mobilisés, où il y a beaucoup de jeunes. Donc il est venu ici pour aussi montrer l'exemple. Ses chances de réussite, à combien? Absolument. Est-ce que le candidat est prêt à accepter n'importe quel résultat que la CENI verra, même si c'est à sa défaveur? Monsieur, qui a voulu ces élections? Qui a voulu que ces élections se passent à heure et à temps? C'est le candidat numéro 20. Il n'a pas fait de glissement comme d'autres avaient fait à leur époque. Il a donné tous les moyens à la CENI pour que la CENI fasse son travail de façon indépendante et organise ses élections. Alors, vu qu'il a donné des moyens à la CENI, il a permis à la CENI de faire son travail, c'est-à-dire qu'il accepte les règles du jeu. Mais la défaite n'est pas dans son état d'esprit. Son état d'esprit, c'est la victoire. Et cette victoire, elle est sûre. Pourquoi? Parce qu'on a vu que le peuple a compris son message. Lors de la campagne électorale, le peuple a adhéré à son message et le peuple lui fait confiance. Vous avez vu la foule immense qui a adhéré. C'est le seul candidat qui a un bilan positif, et c'est le seul candidat qui propose des choses concrètes et sérieuses pour développer ce pays. Il ne dit pas des choses en l'air. Oh, je vais arrêter la guerre en 6 mois. Oh, je vais supprimer le poste de première dame. Il faut parler aux Congolais sérieusement. Il faut respecter les Congolais. Et le seul candidat qui regarde les Congolais dans les yeux et qui leur dit voilà ce que j'ai fait et voilà ce que je vais faire si vous me faites confiance, c'est le candidat numéro 20. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui il faut faire confiance. Qu'est-ce que vous pensez? Thank you.
Mbote mama. La bengue na kombana ni papa. Na kombana nga Eric Chimongo Chimongo. Alors ton tozo impression na yo pona mokolo malelo. Oui, les impressions sont bonnes, mais il y a eu des ratés. En réalité, les machines sont arrivées très tard et les gens se sont fatigués. Mais en bref, tout se passe très bien. Les gens sont dans l'empressement et à voter parce que c'est un devoir civique. Et surtout que la commune de Kitambo est honorée. Le président sortant, le candidat numéro 20, vient de voter aussi dans la même commune. Donc c'est une fierté pour les habitants de Kitambo. Merci beaucoup. Okay. Alors, fidèles téléspectateurs de Congo Uni Télévision, en tout cas, merci infiniment. Merci pour votre confiance accordée à notre chaîne. Merci en tout cas pour tous vos messages d'encouragement. Ça nous fait énormément plaisir. Ça nous donne encore le courage de continuer, d'aller jusqu'au bout pour vous informer. Alors, aujourd'hui, là, comme vous nous voyez, nous étions à l'école Saint-Georges où le président Félix-Antoine Tshisekedi Yemoko en personne avec la première dame Denise Nyakeru, il y a qui justement pour la voter. Et population, vous avez vu l'engouement. En tout cas, vous allez vous-même apprécier ce que vous allez voir. L'engouement, c'était une communication, c'était, il était en communion au fait, la population, surtout Bazalaki Awa, na Kitambo, Bazalaki même surpris parce que Yeba quitté que président Félix Antoine Tshisekedi Akoya. Alors, c'était tellement, ça fait tellement du bien à la population, non seulement de voir le président Félix Antoine Tshisekedi, mais aussi de voter, mais aussi d'aller faire leur choix. Parce que le 20 décembre, comme promis, on avait dit qu'il y aurait élection, élection au pays à l'eau, alors tout vivre et en haut. Et voilà, donc bien qu'il y a eu quand même, il faut le dire, hein, moi, raté mon roi Mike, mais il faut quand même le dire, dans le processus électoral, l'Union surtout les cas, car on n'est pas hein, machine qui n'a pas retard, donc les bandits n'ont retard. Alors, comme les bandits n'ont retard, Binomoko, beaucoup constaté que Bandeko Barokendeti, au-delà même, il y a 20 heures pour la Koya, Kaka pour voter. Mais les gens sont en train de venir, Batouaza, vraiment Koya. Alors, les messages lancés est que, les élections, ma ponami, il faut continuer ti lobby. Bandeko Barokendeko voter lobby, donc ça s'arrête aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qui veut dire que c'est tout le monde qui doit venir voter. Merci beaucoup.